ces lieux-là, on voit bien que ce sont des lieux qui sont investis par la voiture. Ce sont des lieux qui avant étaient extrêmement vivants. C'est-à-dire qu'on a bien souvent un secteur de Bastide, médiéval, constitué, et puis ensuite après un secteur 19e qui s'est plus ou moins constitué. C'est des piles en pierre, coniques parce qu'elles sont bâties en moellon tout venant et non pas en pierre de taille, qui a le nom en réalité, maintenant on le sait, de, quand c'est bâti comme ça, de soustre. Alors, c'est pas parce que c'est compliqué qu'il ne faut pas le faire. Enfin, c'est compliqué, c'est complexe. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont intéressés par des secteurs plutôt sur le boulevard, en périphérie nord? Alors, on va voir un petit peu comment se répartissent les différents espaces. Et s'il y en a d'autres qui veulent prendre le relais et par exemple prendre la place des arcades. Non, l'autre après, il fait partie de ce qu'on appelle l'entrée est. L'entrée est avec la rampe et on arrive sur la place du marché, la place des arcades. Sur lequel vous faites plutôt une maquette au 500e sur la base la dimension qui vous est donnée, c'est-à-dire 80 par 80. Ouais. Donc c'est un atelier sur 50 heures, donc une courte durée, donc qui a la particularité d'être sur deux sites différents, deux déplacements, deux immersions, deux courtes immersions, une en périurbain à Florac et une ici à Saint-Macaire en milieu rural. L'idée c'est effectivement d'amener les étudiants sur ces territoires après qu'ils aient eu une expérience plutôt dans la ville constituée. On essaie de sensibiliser les étudiants à la question de la ressource de ces territoires. Et on essaie aussi de les amener à réfléchir sur la mise en commun de ces espaces ruraux et périurbains. On est sur un site qui est à la fois unique et en même temps un peu exemplaire, une sorte de modèle en fait de comment on vient à la fois retisser des liens avec le grand paysage, l'élément naturel, la Garonne, le fleuve d'un côté. Comment on reconstitue de l'autre côté des faubourgs, c'est-à-dire au-delà de l'enceinte médiévale, ce patrimoine du 19e, ces boulevards, ces grandes allées, de la promenade élégante, qu'est-ce qu'on en fait? Et comment on retisse des liens avec les territoires qui sont en périphérie, ces territoires de lotissement qui viennent petit à petit émailler et se disperser dans le territoire. Voilà. J'ai beaucoup aimé cette sortie, déjà parce que la ville est assez sympa et que ça change beaucoup aussi des ateliers et des cours habituels, ça nous permet de découvrir plus de choses et de s'aérer un petit peu. Donc moi je pense que c'est assez intéressant de venir se poser des questions sur des lieux comme ça. Par exemple, moi j'habite une petite ville ou même dans les petits villages à côté. Et c'est bien de venir s'interroger un peu sur comment les réhabiliter, les rendre un peu plus vivants. Je sais pas, je trouve l'atelier intéressant parce qu'on voit, on aborde un aspect plus sur l'urbanisme, on travaille, et peut-être plus social que le projet sur lequel on travaille le lundi. Ça permet de se balader, de faire pas mal de croquis, donc c'est vraiment là qu'on prend conscience de ce à quoi ressemble le lieu. C'est assez intéressant puisque ça change un petit peu par rapport au programme qu'on a fait en projet. Le terrain d'intervention n'est pas le même. Avant, on était quand même on était à Florac, donc c'était à côté de Bordeaux, et puis là, on arrive à Saint-Macaire où c'est complètement rural. C'est différentes échelles, on doit aborder l'espace différemment du coup en fonction des contraintes actuelles. Là, c'est plutôt l'espace rural, alors que la dernière fois, c'était espace périurbain, donc c'est pas les mêmes problématiques. C'est intéressant, on peut un peu se mettre à la place des habitants, enfin les personnes qui habitent ici, savoir ce qui manque un peu à la ville pour qu'elle soit un peu plus dynamique. Les attentes au niveau de l'atelier, ils ont un carnet à trois à rendre avec toute l'analyse du territoire. En tout cas l'analyse sensible, qu'est-ce qu'ils ont récolté, qu'est-ce qu'ils, en termes de dessin, en termes de collage, d'impression, d'écriture. Et donc ils ont ce carnet à constituer au fur et à mesure de l'atelier et ensuite une maquette
sur leur espace, c'est ce qu'ils ont vu et comment ils souhaitent le faire évoluer dans le temps.